Hey, et donc c'est tous ces amis, c'est GoGoZero et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 36 de notre série sur le mode pack, All the Mode 3 Remix. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un mode que l'on n'a jamais vu sur la chaîne, c'est le mode Deep Resonance. Alors il va nous le falloir pour faire pas mal de craft au niveau d'All the Mode, donc d'ATM Twix, et il va nous falloir notamment des cristaux, parce que oui, Deep Resonance fonctionne avec des cristaux pour générer de l'énergie, mais il y a un gros processus derrière pour pouvoir mettre ces cristaux-là au maximum de leur puissance, c'est-à-dire tout à 100%. Je vais tout vous expliquer dans un instant. Deep Resonance contient très peu d'items, mais il peut générer énormément d'énergie. Il y a des cristaux qui peuvent générer jusqu'à 18 000 RF particles, voire plus. Mais voilà, donc comment ça fonctionne? Deep Resonance, on a ce genre de Resonating Crystal que l'on peut trouver dans tout simplement le monde minage. Donc si on regarde ici au niveau de Deep, on a quelques-uns. Regardez ici, on a des Resonating Crystal avec Strength, Efficiency, Purity 2%, 1,3% et 12%. En fait, tout simplement, on a 3, enfin 4 au total. On a 3 grosses performances dessus. On a la Force, l'Efficiency et la Pureté. Et tout ça, en fait, nous, eh ben, il va nous en falloir. Mais il va nous en falloir des cristaux qui soient à 100%, 100%, 100%. Donc, qui dit qu'ils doivent être à 100%, ça veut dire un gros processus derrière à mettre en place. Et on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Alors, Deep Resonance, déjà, dans un premier temps, il va nous falloir pas mal de choses. Alors, j'ai fait une petite salle parce que, oui, Deep Resonance, c'est un peu radioactif. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une salle juste ici avec, voilà, un Radiation Screen Module. Ici, on a un Radiation Monitor. Ça vient tout simplement de ce mode-là, hein. On a le Radiation Monitor juste ici. Et ça, en fait, c'est un module de RF Tool pour pouvoir mettre sur nos screens, parce qu'on peut générer de l'énergie. Nous aujourd'hui on va pas générer de l'énergie avec ça, peut-être qu'un jour on générera de l'énergie avec, on verra bien, mais c'est pas prévu pour le moment. D'ailleurs, en parlant d'énergie, au niveau de notre moule draconique, on est à 0,001%, soit 103 trillions de RF RF, c'est juste énorme. Ok, bon, du coup, rentrons dans cette salle là. Voilà, j'ai fait une salle un petit peu laboratoire. J'ai commencé à mettre de la cobble ici pour voir un peu comment disperser tout dans ma salle. Donc voilà, toutes les machines qu'il va y avoir à peu près, c'est toute la cobble. Donc on va mettre tout ça en place aujourd'hui. Bon, du coup, dans un premier temps, il va nous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 smelters. Alors les smelters, ils vont nous servir à quoi? En fait, on obtient un minerai de Deep Resonance, c'est le Resonating Ore. Ce Resonating Wand, quand on peut le faire cuire dans des machines de Deep Resonance, on va obtenir du Resonating Crystal liquide. C'est ce qui va nous permettre en fait de commencer un petit peu le processus de création de cristaux. Bon, du coup, il va nous falloir pour ça des smelters. Les smelters, c'est tout simplement déjà pas mal de resonating machines. Donc, on va essayer d'en faire un petit stack. C'est pour ça que j'ai fait mass resonating plate. Et du coup, là, on va pouvoir se créer juste ici. Alors, il va nous falloir des nether bricks, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Il va nous falloir mass smelter, comme ceci. Donc là, voilà, je vais pouvoir en faire pas mal. Alors, il va juste me manquer, en fait, il va falloir que je prenne de la nether et que j'aille la faire cuire. Bon, bah ça, c'est un petit process que j'aurais peut-être dû faire un petit peu avant de commencer l'épisode, mais c'est pas grave, avec tout ça, ça va aller super, super vite. Une fois qu'on a notre 7 smelter, il va nous falloir au-dessus et en dessous de ces smelters-là, des tanks. Alors, il va nous en falloir un total, pour l'instant, de 14. On va déjà mettre ça en place, mais on en recraftera par la suite. Alors, on va pouvoir commencer à mettre tout ça en place. Alors déjà, hop, voilà, on va essayer de tout casser, on va essayer d'activer notre aimant aussi pour récupérer les choses assez importantes, voilà, et on va tout casser comme ceci, voilà. Alors oui, je fais un espace en bas, vous allez savoir pourquoi juste après, parce qu'on va devoir mettre, pour que ça fonctionne au niveau du smelter, de la lave dans des tanks qui sont juste ici, voilà, on va les placer ici, tac et tac. On va pouvoir mettre juste au-dessus de ces tanks-là, du coup, nos smelters, alors on va essayer de bien les poser. Comment on peut les poser? On peut les poser comme ça en vrai. Voilà. Tac, 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 tac et tac. Voilà. Et au-dessus de ça, on va rajouter encore des tanks. Voilà. Donc ça, c'est la première étape à faire. On va insérer en fait à l'intérieur de ces smelters-là
de des items. Donc ces items là, c'est tout simplement les resonating ore qui vont aller directement dans le tank. Alors les resonating ore, c'est pareil, quand on les fait fondre, on va pouvoir obtenir en fait donc déjà 200 mini buckets de resonating crystal liquide, mais on va pouvoir obtenir du liquide avec de la pureté, de la strength, de l'efficiency différente. Et en fait on a aussi de la quality. Alors la qualité va dépendre en fait du nombre de mini buckets de lave qu'on va avoir en dessous, enfin dans le tank d'en dessous. En fait, nous, le mieux à avoir pour avoir une qualité 100%, c'est d'avoir 9 seaux de lave dans le tank. Et pas un mini bucket de plus, pas un mini bucket de moins. Juste 9000 mini buckets. Pour mettre ça en place, c'est très simple. On va aller juste en dessous. On va utiliser tout simplement XNet. On va prendre un contrôleur avec nous. On va prendre des Advanced Cables, voilà. Et on va pouvoir les poser comme ceci, hop, juste là. Tac, tac et tac. Voilà, on va prendre aussi avec nous des câbles pour relier tout ça. Voilà, on va faire ça. Touk, touk et touk. Et à ce niveau-là, on va remettre en fait un Advanced Blue Connector. Et on va poser notre contrôleur juste ici, et on va se faire aussi un lava fabricator que j'ai déjà crafté juste ici. Voilà, lava fabricator. À l'intérieur, on va pouvoir mettre des upgrades du mode Tesla Core. Voilà, on va pouvoir mettre toutes ces upgrades là. Voilà, tac, comme ça va consommer moins et ça va produire plus rapidement de la lave. Et on a juste à lui mettre un petit peu d'énergie dans ce quantum juste là. Voilà, on va commencer à générer de la lave. Bon, et ben ça c'est fait. Bon, du coup, déjà je vais mieux le ranger, je préfère. Voilà, je préfère quand c'est mieux rangé comme ça. Tac, tac et tac. Voilà, c'est tout de suite mieux. Donc, du coup, ici on va faire un channel tout simplement fluide, create. On va le désactiver pour l'instant. On va lui dire qu'ici tu vas m'extract et que tu vas m'extract tout simplement tous les 10 ticks pour que ça soit plus rapide. C'est toutes les demi secondes. Et tu vas m'insérer cette lave là dans mes tanks, et au maximum tu vas me mettre 9000 milli buckets. XNet est assez intelligent pour dire qu'en fait ici je vais t'insérer juste 9000 et pas un milli bucket de plus. Donc j'ai paste ça sur tous mes tanks. Voilà, sur tous mes tanks je vais le paste et je vais pouvoir tout simplement, hop, et là je l'ai mal fait, hop, l'activer. Une fois activé, vous allez voir qu'en fait on va avoir, alors il faut juste faire un clic droit aussi dans ces tanks là parce qu'ils sont assez relous pour leur dire c'est de l'insert. Voilà, on va faire ça et on va faire ça, et on va voir qu'à l'intérieur en fait, donc si on va juste en haut, ah non on le verra pas, juste en bas, on va voir que dans ces tanks là on va avoir 9000 billy buckets, donc là 2000 parce que c'est en train de la charger, tout simplement parce que ici à mon avis c'est mal setupé. Oui, là qu'il y a un petit souci d'énergie. Pourquoi ça? Pourquoi il y a un petit souci d'énergie ici? Pas normal tout ça. Pas normal. Ça devrait aller mieux. Alors je sais pas pourquoi. En vrai, je ne sais pas. Pourquoi j'ai ce souci là d'énergie? Alors qu'il devrait pas du tout. C'est parce que ça demande, je pense, énormément d'énergie par rapport à le Quantum Grand Angloporter, ce qui délivre. Mais c'est étrange. C'est étrange quand même. Bon, au pire, on améliorera le système d'énergie ici pour l'insert. C'est pas bien grave. De toute façon, là, c'est le début. C'est le temps que ça remplisse tous les tanks. Et après, une fois que tout sera rempli, ça ira beaucoup mieux parce qu'il y aura un petit stockage de lave. Ou sinon, on fera un petit stockage nous-mêmes. Bon, du coup, une fois qu'on a ça, on va pouvoir, du coup, maintenant insérer le fameux or qu'on attend tous. Et pour ça, eh ben, c'est très simple. On va prendre avec nous, eh ben, pourquoi pas, un under chest. Voilà, chest. Si on fait ça, on doit avoir peut-être quelques under chests. Voilà, on en a un ici. On va recrafter un. Ok. On va prendre avec nous deux diamonds. Ok. Voilà. Et on va prendre du colorant. Alors, quel colorant on peut mettre? On peut mettre du red, par exemple. Du red, voilà. On va pouvoir en refaire un petit peu. Ok, tac, voilà. 6, voilà, génial. On va pouvoir mettre ça en place. Donc diamant, diamant, et on va mettre le colorant rouge. Voilà, comme ça c'est fonctionnel. Tac et tac.
Du coup, ça, je vais pouvoir le poser, et ben tout simplement, je pense qu'on va le mettre au milieu, ou alors dans un coin. On va le mettre dans un coin, vous savez quoi? On va mettre genre ça, ici. Ok. Et on va utiliser des câbles, mais on va utiliser les câbles, ben, les ultimates du mode, tout simplement, Mechanism, parce que c'est eux, en fait, qui amènent le plus rapidement, alors ça, c'est les fluides, le plus rapidement les items. Donc pour ça, hop, on va les poser comme ceci. Tac, 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 tac. Là, et deux. Et bien, on en a juste assez, les amis. Et ici, on va lui dire que tu vas me les extraire directement. Voilà. Bon, maintenant, j'ai juste une petite chose à faire. Alors, est-ce qu'on peut mettre... Non, on peut pas. Dommage. J'aurais bien voulu mettre une petite lampe. On va la mettre juste ici. On va mettre en place cette chose-là, juste ben, là-bas. Tac, tac, et tac. On va aller de ce côté-là. Et on va lui dire, eh ben, tu vas tout simplement... Alors ici, je sais plus à combien de channels on est. Total, on est à 7 sur 8. On est à 7 sur 8, donc je peux en rajouter un. Juste ici, avec un export bus. Donc on va crafter un export bus et on a des cards juste ici. Voilà. Tu vas pouvoir me mettre ça là, avec bien évidemment des cards à l'intérieur. Et on va récupérer, eh ben, tout simplement, de 10 résonances. Du Resonancing Ore. Bon, moi, je vais vite faire check pour l'énergie et au niveau de la lave, et on va se retrouver juste après. Bon, il faut juste plus qu'une seule chose à faire, c'est tout relié en énergie, donc des cryostabilisateurs flux duct juste qu'à ici, et normalement, ça devrait commencer à fonctionner. Regardez, génial. On est en train d'avoir juste ici nos fameux Resonancing Ore qui s'insèrent à l'intérieur et qui fondent. Et là, regardez, on a une qualité de 100%, une pureté de 10, une strength de 10, une efficiency de 10. Mais moi, ce que je voulais, c'était tout simplement eh ben, cette fameuse qualité 100%. Donc ça, c'est nickel, c'est fonctionnel. Ok, bon là, on a 400 millibuckets, ça va se faire petit à petit. Une fois qu'on a tout ça, il va falloir mettre en place la deuxième partie. La deuxième partie est, on va dire... la partie où on va augmenter la pureté. Et pour ça, en fait, on a un bloc, enfin une machine, qui est tout simplement le purifieur. Le purifieur qui est juste ici et qui se craft comme ceci. Voilà, rien de compliqué. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est au niveau, ben, hop, tac, voilà. Au niveau d'ici, on va automatiser les filters parce que vous allez voir qu'on va en avoir besoin de masse. On va bien faire gaffe qu'au niveau du sable, sand, ça c'est bon, c'est automatisé, on en a 4 millions. Au niveau du gravel, donc gravel, ça c'est pareil, on en a 6 millions, donc c'est génial. Et on va pouvoir du coup avoir ici, bah, tout simplement, automatiquement, on va avoir des filters. Génial. Du coup, filter, on va pouvoir en crafter quelques-uns, bah, par exemple un stack pour commencer. Voilà, et comme ça on va pouvoir se faire ici des purifieurs. Donc les purifieurs, il va m'en falloir un total, si je me trompe pas, alors on va les crafter directement là-bas. Tac, voilà, ok, on va aller juste ici. Donc les purifieurs, il va nous en falloir un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va nous en falloir 12 parce qu'on va le reproduire bah, tout simplement deux fois. Donc 12 purifieurs. Hop, il va me manquer un petit peu de filtre. Ok, on va les faire vite fait à la main. Hop. Ça, voilà, on en a deux autres. Ok, les purifieurs, on va devoir les poser tout simplement juste ici, à ce niveau-là. Alors, hop, on va pouvoir les mettre en place comme ceci. Ok, et on va pouvoir tout simplement mettre à ce niveau-là du smart cable. Ok, comme ceci. Et en fait, on va lui amener directement des filtres. Parce que dans ce purifieur-là, il va falloir lui insérer des filtres. Donc, ces fameux filter material, et pour ça bah, il va nous falloir quelques petits export bus, il va nous en falloir un total eh ben, de 12 aussi. Ok, on va pouvoir craft tout ça et moi je vais reproduire cette chose là en fait l'autre côté. Une fois les purifiants mis en place, une fois aussi à ce niveau là où on met les M export bus avec un crafting card, des acceleration card et le filter material, tout ça on a mis à l'intérieur des filtre, on va pouvoir rajouter au-dessus deux tanks. Alors pourquoi deux tanks? Parce que tout simplement on va en avoir... Ben, en fait, quand vous les assemblez comme ça, ça les assemble entre eux. En fait, ça fait un plus gros tank. Et du coup, comme ça, on va pouvoir insérer dans celui-ci et extraire par celui-ci. Alors vous allez voir qu'en fait, le purifieur va nous servir à une chose. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, purifier ce fameux liquide-là. Alors ce qui est bien avec Deep Resonance, c'est qu'on va pouvoir les analyser, ces liquides-là. Et pour les analyser, ben, tout simplement, on va devoir crafter des valves. Alors les valves, voilà, c'est pas très compliqué à faire, il va nous falloir juste pas mal de ces choses là, donc hop, on va en faire et on va faire ça, voilà, comme ça on va en avoir
masse, il va nous falloir un total de 12 valves. Donc on va refaire des valves, il va nous falloir des filters. Voilà, les filters, on va en faire 512 d'un coup, comme ça, au moins, on en aura en stock pour faire nos crafts. Et on va faire, du coup, nos 12 analyseurs. Alors, ces analyseurs-là, on va pouvoir les poser juste ici. Et en fait, on va analyser une fois que c'est... une fois que ce liquide-là soit... Je vais jamais réussir. Soit à une pureté de 75%. Alors, pourquoi 75%? Vous allez me le dire, c'est tout simplement parce que en fait après on va les réutiliser pour pouvoir tout simplement générer des cristaux pour les mettre dans des lasers. Je vais vous montrer à quoi sert les lasers et comment on les craft et comment on les utilise pour pouvoir nous générer des cristaux et ces cristaux là les mettre dans des lasers et grâce à ces lasers là purifier un autre liquide pour le mettre tout à 100%. C'est assez compliqué, c'est pour ça que je le mets en x2 parce qu'il va nous en falloir énormément. Et du coup, en fait, ici, on va pouvoir les analyser comme ceci. On va mettre ici, pureté, 75%. Donc, je vais faire ça partout. Et il y a une chose aussi à faire, c'est apply, parce que là, ça n'a pas fonctionné. C'est au niveau du max mini bucket, c'est 16 000. Alors, pourquoi 16 000? Parce qu'en dessous, on va rajouter un tank. Et un tank, ça contient 16 000 mini buckets. Ok. Bon, du coup, je vais faire ça partout. 0 et ici, 16 000. Apply. Et je vais pouvoir mettre ça en place partout où c'est que j'ai des valves. Alors une fois que tout ça est fait, on va devoir l'amener ce liquide là. Alors pour ça on va utiliser des Under Fluid Conduit parce que c'est eux qui transfèrent en fait un peu le plus rapidement les fluides. On aurait pu utiliser XNet mais j'avais pas envie d'utiliser XNet parce que vous allez savoir pourquoi juste après. Ok, donc on va mettre ça en place et on va pouvoir recommencer ça, voilà, et faire en fait une petite lignée juste ici, voilà. Tac, 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 tac et tac. Voilà, et là on va faire un clic droit et on va le mettre en insert. Donc on va faire ça partout, et l'autre côté, et là pareil on va faire en fait double clic et un extract. Mais ça je le ferai à la fin. Bon bah du coup, je vais mettre ça en place à peu près partout. Pendant que le système est en train de fonctionner, on va pouvoir continuer un petit peu au niveau du placement des machines. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé. Alors ici on voit qu'on est, notre pureté est à 66%, il faut qu'elle soit tout simplement à 75%, donc on y est très bientôt. Au niveau de la qualité, on est tout à 100%, strength et efficiency, on est à 10%, ça c'est nickel. Ok, bon, du coup, j'ai placé 2-3 machines, j'ai placé ici 2 tanks, j'ai placé ici 2 purifieurs, j'ai ramené des câbles, ici j'ai mis un cristalliseur et un tank. En fait, ça c'est la chose finale, c'est pour ça que je la veux tout devant, parce que c'est ici qu'on va créer nos cristaux, les tout derniers. Donc ça, c'est ce que je voulais. Alors ici, est-ce que je vais pouvoir placer... Ouais, c'est bon. Je vais pouvoir placer comment ça s'appelle, des cryos, voilà, parce qu'il va nous falloir de l'énergie dans ce cristalliseur-là. Ok, et du coup, bah c'est nickel, c'est fonctionnel. Alors, bon, du coup, maintenant, il va nous falloir 2 autres choses ici. Voilà, là et là, il va nous falloir tout simplement des lasers. Oui, c'est les fameux lasers que je vous parlais. C'est les Infrozing lasers qui se craftent comme ceci. Donc, il va nous en falloir 2. On va en placer un ici et un ici. Ok, donc ça, il va nous falloir aussi de l'énergie. Mais ça, c'est pas un souci. Pour amener de l'énergie, on va pouvoir le faire assez facilement. Ok, bon, bah ça, c'est fait. Il va nous falloir aussi ces choses-là, les lenses. Parce que pour les lasers, pour qu'ils puissent fonctionner, il va nous falloir en fait des lenses. C'est où ils vont amener leur faisceau laser. Nous, on va les amener directement dans ces 2 tanks ici. Ok, bon, bah ça, c'est fonctionnel. On va avoir maintenant en fait ici à ce niveau là j'ai placé tout simplement des câbles, enfin des conduits, voilà. Et du coup en fait ça va extraire mon fameux liquide avec une pureté de 75%, une force de 10 et une efficiency de 10 comme je l'ai demandé dans la valve. Ça va me le mettre dans ce tank de buffer en fait et ça va me l'extraire et ça va me l'insert en fait dans plusieurs endroits. Ça va me l'insert dans ce tank là juste ici parce qu'on va avoir besoin de ce liquide là pour en fait l'améliorer à 100%. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est le fameux liquide qu'il faut améliorer tout à 100% pour pouvoir avoir les cristaux 100%. Mais il va nous falloir en fait dans ces lasers là mettre des fameux cristaux. Vous savez ces cristaux là, ceux qu'on a. Alors si on fait deep, voilà, on va en prendre 2 avec nous. Si on les met en fait ici, ça va regarder, rajouter en fait une sorte d'énergie. Et c'est cette énergie là qui va nous permettre de faire fonctionner tout le bousin. Et en fait, plus... vous voyez, là, on est à 207, ici on est à 282. Tout simplement, plus il y a de...
de pureté, mieux ça sera, etc. Donc c'est pour ça qu'on va fonctionner avec tout ça. Alors pourquoi aussi la pureté, je l'augmente ? Parce que tout simplement, en fait, au niveau de mes infusing laser, on va avoir à mettre ici, dans ce slot-là, des items. Alors, vous allez pouvoir mettre du diamant, des émeraudes, des nether stars, vous allez pouvoir mettre des prismarine shards, etc. Et en fait, toutes ces choses-là, toutes ces compos-là, ont en fait, bah, tout simplement des choses, voilà, des capacités, des options, enfin des, comment dire, je ne trouverai pas le nom. Enfin bref, en fait, ils ont des capacités différentes. Par exemple, ici, on voit pureté, strength, efficiency. Donc, on voit que la pureté, il va la diminuer de 60%, mais il va m'augmenter ma strength et mon efficiency à 90%. Et il peut les amener jusqu'à 100%. C'est pour ça qu'il y a un cap à 100%. Ici, le cap à 0. En fait, du coup, c'est pour ça qu'il va me falloir masse pureté dès le début. Comme ça, au moins, j'aurai plus de 60%, donc j'aurai 75% de pureté, et comme ça il pourra commencer à utiliser la Nether Star sur ce liquide là pour diminuer la pureté. Du coup, de 75, il va la diminuer moins 60%, donc il restera 15% de pureté, et du coup ça va m'augmenter ma strength de 90% et mon efficiency de 90%. Donc ça va me l'augmenter petit à petit, bien évidemment. Et du coup, en fait, ici, j'ai mis des purifieurs pour pouvoir refaire ce process qui est juste ici pour augmenter ma pureté. Et ma pureté, dès qu'elle va être augmentée à 60%, boum, ça va me réinsert une Nether Star pour pouvoir tout simplement me faire fonctionner une autre fois cette chose-là et donc avoir mon liquide 100% de partout. Et ensuite, il va me l'extraire juste ici. Donc, c'est ce que j'ai fait, en fait, là, mais ça n'a pas fonctionné parce que voilà. Ici, on va mettre une pureté à 0, une strength et une efficiency à 100%. On va l'apply. Donc ici, on va mettre 16 000 millibuckets parce qu'on a un tank juste en dessous qui va m'extracte ça jusqu'ici dans ce tank là. Et de ce tank là, en fait, il va me rajouter. On va rajouter, je crois que c'est des émeraudes qui sont pas mal, ou les diamants. On verra bien. Je pense que c'est les émeraudes le mieux entre les émeraudes et le diamant. Si on le pose ici, on voit que ça va augmenter ma pureté et pas ma strength ni mon efficiency. Donc ma pureté à de 8%, et ça pour un cap de 100. Donc en fait, on va avoir nos purifiers qui vont être juste ici. On va avoir nos émeraudes qui vont s'insérer avec un infusing laser jusqu'à obtenir une pureté de 100%. Et une fois que j'ai une pureté de 100%, une strength de 100%, une efficiency de 100%, et ben je vais l'extracte directement dans ce tank là, et ce tank là, je vais l'insert dans ce nouveau tank qui est juste ici au dessus de mon cristalliseur pour me créer tout simplement mon fameux cristal 100% de partout. Ok, on se retrouve en bas, et du coup en fait nos liquides vont bientôt être prêts. Voilà, il y en a déjà qui sont prêts avec une pureté de 75,1. bon, ben voilà, là c'est en train de l'insert petit à petit. On va pouvoir, du coup, maintenant qu'on a ça, et ben tout simplement les insert à ce niveau là. Donc on va devoir lui mettre extract always active. En fait, ça va me les insert dans mes fameux tanks juste ici. Une fois qu'on a ça, maintenant regardez, c'est en train de nous faire nos cristaux. En voilà un, regardez, une pureté, enfin une strength de 10%, une efficiency de 10%, et on a une pureté de 75,41%. Donc c'est ce qu'on voulait. Maintenant, ces choses là, on va devoir les extraire. Ben pour ça, on va utiliser des items conduits. Les items conduits, si on marque conduit, on doit en avoir quelques-uns. Voilà, on va les extraire et on va les insert non pas ici, mais voilà, là, extract, et on va se mettre ça tout simplement, eh ben, dans une petite crate. Ouais, on va utiliser une petite crate parce qu'on aime les crates, c'est cool. Voilà, on va prendre une crate et on va la poser juste ici. Ça va me les insert juste là. Voilà, ça va me les stocker. Une fois qu'on les a stockés, on va aussi les extraire. Donc on va utiliser un autre channel parce que sinon ça va pas le faire. Et on va les extraire et on va mettre ça tout simplement dans un item. Un item transfer node. Alors l'item transfer node, il va nous servir à quoi? En fait, il va nous servir à téléporter des items d'un point A à un point B grâce à des fameux GPS. Donc ça, voilà, on va utiliser les GPS. Donc normalement, on en a quelques-uns. Ok, on va aller juste ici et on va faire des shift clic droit au niveau de nos lasers. Je vous avais dit qu'il fallait mettre à l'intérieur ici des... tout simplement des... Et comment dire,
des cristaux. Et ben du coup on va utiliser ça. Ok, bon du coup on peut faire ça. Et on peut lui dire bah, que tu vas m'insert ici des resonanting. Voilà, alors ça n'a pas fonctionné parce que ici je ne l'ai pas mis en always active. Voilà, mais normalement ici à ce niveau là, regardez, 2082. Ici ça a fonctionné, là ça a fonctionné aussi, enfin ça ne les a pas mis mais ça les a mis là, regardez on est à 7607 et du coup ça a fonctionné petit à petit. Bon, une fois qu'on a ça, c'est tout beau. Maintenant il va falloir améliorer ce liquide qui est juste ici avec une pureté déjà de 80%, donc c'est cool, ça a fonctionné petit à petit. Alors il ne faut pas oublier, c'est de mettre des drawers ou des chests à chaque niveau des purifiers parce que ça va nous faire des span filter matériel et sinon ça gicle de partout, c'est-à-dire qu'en fait ça s'extracte automatiquement donc ça tombe par terre. Donc il faut faire très attention à ça. Bon, une fois qu'on a tout ça, on va se remettre à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, on va récupérer encore deux export bus. Voilà, on va en récupérer deux, juste ici. Et on va tout simplement les mettre à ce niveau-là. Donc on va casser ici et ici. Et on va lui dire, tac, voilà, ici et là, tu vas m'insert soit des Nether Stars, donc Nether Stars, ou soit des émeraudes, émeraldes. Voilà. Et du coup, ça, on va pouvoir le poser juste ici, ça on va pouvoir le poser juste là. Alors pour la sécurité, on va mettre une crafting card. Si je mets card, est-ce que j'en ai encore? Oui, j'en ai encore des crafting cards. D'ailleurs, on va devoir en... Non, c'est bon, c'est tout bon normalement. On va remettre une crafting card au niveau de la Nether Star. C'est vraiment au cas où on n'est plus de Nether Star. Pour pouvoir en recrafter, parce qu'on a un système aussi d'autocraft des Nether Star. Du coup, on va faire ça. On va récupérer des cables, voilà. Au niveau des câbles, ici, on va peut-être en refaire un poil. Voilà. Comme ça, on va être tranquille. Et du coup, on va pouvoir mettre ça en place. Alors, tac, on va faire ça. Faire ça. Voilà. Et ça, on va l'amener juste ici. Voilà. Ok. Bon, du coup, normalement, ça devrait bientôt fonctionner. Alors, quand je dis bientôt fonctionner, c'est parce qu'il manque de l'énergie. Mais il nous manque aussi une chose. Parce que si on ne met juste un signal de redstone, parce que oui, il faut un signal de redstone, ça va fonctionner en non-stop. Et ça, c'est un petit peu relou parce que ça va nous consommer masse émeraude. Au niveau des Nether Star. Au niveau des émeraudes, ça, on est tranquille. Mais les Nether Star, c'est quand même cher. Du coup, on va faire une redstone clock. Voilà. Clock qu'on va pouvoir modifier nous-mêmes au niveau de la puissance, au niveau de toutes ces choses-là. Du coup, on va se mettre ici et on va lui dire que tu vas mettre ça toutes les 60 secondes avec un intervalle de 240 ticks. Je crois que c'est des ticks, ouais, ça doit être ça. Ok, du coup, ça nous donne ça et regardez, on va le voir normalement s'activer prochainement, bientôt, très prochainement. Voilà, une fois, pendant un certain moment, donc pendant 60 ticks et en fait, toutes les 240 ticks, il va faire ça. Bon, et ben, du coup, ça, c'est nickel. Comme ça, ça va l'activer pendant un certain temps. Et hop, ça va faire une petite pause à un certain temps. Hop, une petite pause. Bon, pareil, il faut regarder au niveau des lags serveurs, etc. Ça peut encore y jouer. Donc, des cryos, on va en récupérer. Et on va amener de l'énergie à tout ça. Donc, on va amener ça par en dessous, hein, juste là. Hop, voilà. On va faire ça. Et ici, on va faire ça. Et normalement, ça devrait bientôt fonctionner. Donc ça a de l'énergie. Maintenant qu'on va voir un petit peu le signal de redstone. Alors là, on regarde bien. On est en strength 12%. Efficiency 12%. Et regardez, pureté, c'est en train de diminuer. Et la strength est en train d'augmenter. Et l'efficiency aussi. Donc voilà, ça va fonctionner petit à petit. Ça va fonctionner comme ça. Et en fait, on va avoir notre liquide qui va arriver au bout d'un moment à 100%. Ça va être très très long. C'est un processus qui dure extrêmement longtemps. C'est long à faire, hein, faut se l'avouer, mais c'est fonctionnel. Alors ça, limite, on peut l'activer pendant, par exemple, 320, peut-être. Peut-être pendant 320, ça serait peut-être mieux, parce que ça va fonctionner un peu plus longtemps. On va bien voir. Parce qu'il faut savoir que la pureté, en fait, faut qu'elle augmente, parce que ça diminue fort, quand même. Et c'est le temps qu'elle augmente. Alors, c'était des calculs à faire, mais normalement, ça devrait fonctionner. On verra bien. Au pire, on la mettra à 300. On verra tout ça parce que là 76, ouais ça va, ça passe pour le moment, ça passe nickel. Ok, bon, et ben ça c'est fait. Bon, une fois qu'on a tout ça, là il va falloir l'amener aussi de l'énergie, donc on va amener tout ça. Alors ce qu'on va faire, est-ce qu'on peut récupérer directement du cryo là? Non, ça va peut-être faire un petit peu trop, quoique on peut tirer un câble juste ici. Jusque là, comme ça, on a de l'énergie dans notre cristalliseur. Génial. Bon, une fois qu'on a tout ça,
c'est sublime, c'est fonctionnel. Et du coup, maintenant, eh ben, on n'a plus qu'à attendre. Parce que là, le process, en fait, il est automatique. On n'a plus qu'à attendre que ça fonctionne tout seul. Donc ici, ça va me purifier tout ça, je le réexplique. Ça va m'amener mon strength et mon efficiency à 100%, donc on voit qu'ils sont égaux, donc ça c'est nickel. Une fois que ceux-là sont à 100%, ça va me le descendre ici grâce à la valve où j'ai mis bien sûr que mon strength doit être à 100%, mon efficiency doit être à 100%. Et donc c'est le minimum, hein, minimum efficiency en pourcentage. Donc là, en fait, si c'est la pureté est à 50%, et ben c'est pas grave, si ma strength et mon efficiency est à 100%, c'est bon, c'est le minimum. C'est pour ça qu'ici ça fonctionne même si par exemple la pureté est à 84%. Et du coup ça va me le descendre dans ce tank là, ce tank là va me l'amener dans celui-ci et celui-là va fonctionner. Alors comment il va fonctionner? On a juste à lui mettre un petit levier parce que celui-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut le faire fonctionner H24, c'est pas un souci. Bon là normalement ça devrait voilà, diminuer, donc c'est ça qui est un petit peu relou aussi. C'est que ça diminue au niveau de ce niveau là, donc on va le désactiver pour l'instant et on va attendre un petit peu, ou alors sinon on va lui mettre pareil une petite cloque, on verra bien. Bon, dans tous les cas, nous pour l'instant ça on va le laisser désactiver le temps qu'on n'a pas du liquide à 100%. Dès qu'on en aura un petit peu, ça va fonctionner du feu de dieu. Donc voilà. Bon, et ben je vais faire une petite ellipse, enfin même une très très grosse ellipse, le temps que ça fonctionne, le temps que ça fasse tout ça, et on va se retrouver juste après pour vous montrer en fait le résultat final. Allez, sur ce, moi je vous dis à tout de suite pour le résultat final et peut-être pour notre cristal, enfin notre cristal à 100%. Ok, voilà, alors petite erreur de ma part, j'ai interverti en fait les deux choses. Ici, on est sur le délai, donc on met bien 240 secondes, et ici la duration, du coup je mets 80 secondes, enfin tick. Voilà, et du coup, regardez, là on est à strength 99%, etc. Et regardez, c'est mon ami ici, c'est mon ami. Et du coup, on va pouvoir activer ça au niveau de la pureté, regardez, ça va l'augmenter à 100%. Une fois que c'est mis à 100%, ça va pouvoir la descendre juste ici et me mettre ici dans mon cristalliseur. Alors ça va être long, très long, regardez, on est à 3%, même si je le booste, je crois qu'on va être à 6% maximum, voilà, parce qu'on n'a pas énormément, donc il va demander énormément de liquide, mais ça va fonctionner petit à petit, donc je vais pouvoir activer ça, et ça va fonctionner de lui-même en fait, ça va fonctionner de lui-même. Donc là je pourrais même limite mettre une cloque ici, je pourrais même limite mettre une cloque, parce que ça soit toujours fonctionnel, en fait, ça me baisse au niveau de mon, de ma pure, enfin de ma jauge ici. Et du coup, en fait, je pourrais mettre une cloque. Ouais, je pourrais peut-être mettre une petite cloque, on verra bien. Bon, là, en tout cas, c'est fonctionnel. Et ça me fait, à ce niveau-là, voilà, on est à 16%. Donc, c'est génial, ça fonctionne. Ça fonctionne et ça, c'est beau. C'est très beau. On va du coup attendre encore un peu. Le voilà. Le Resonating Crystal Strength, Efficiency et Purity à 100%. Les amis, on l'a, il est juste ici. Ah ouais. Oh qu'il est beau. Ah il est joli celui-ci. On va le garder de côté. Alors oui, maintenant qu'on a notre Resonating Crystal 100%, on pourra très prochainement, et bien très prochainement, commencer à faire des choses, et ben tout simplement, de Craft Tricker 2, et du coup pour nous faire par exemple le Railgun. Le Railgun et les choses d'ATM2X qui vont nous être fort utiles. Ok, et surtout en fait le Railgun, parce que j'ai envie de vous le montrer, il est super, super, super bien. Et regardez, on est déjà à 11%, alors finalement j'ai mis un levier. Bon bah tant pis, parce que ça on en produit masse, et du coup les cristaux en bas on en produit masse. Je boosterai peut-être la prod au niveau de ces cristaux là, je verrai bien. Au pire, comme je l'ai dit, on est sur serveur, on a le temps. C'est pas, on n'a pas besoin de 10 milliards de ça. On en a besoin de 2 par moment. C'est tout. Donc ça va quand même assez vite pour en faire un. Bon, et ben du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Salut les amis.